encore là. Nous sommes encore là. Remplis de cette grâce. Grâce de vie, le souffle de vie. Élevons la voix, mes frères et sœurs. Nous commençons à lui dire merci. L'adorer, le louer, le glorifier, l'élever. Gloire à son nom. Gloire à son saint nom. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais accueillir chacun personnellement. Je vais dire shalom à Anne, à Ashley, à Christian, à David, à Elisa, à Elisabeth, à Evelyne. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce n'est pas une bénédiction qui n'est pas intentionnelle. Shalom, shalom, ma petite à moi, Ashley. Dieu te bénisse. Alors, j'appelle la bénédiction de Dieu sur vous d'une manière intentionnelle. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais pouvoir appeler cette bénédiction sur la vie de chacun. Evelyne, Fatima, Gisela, Isaïe, Jessica, Joséphine, Marie, Émilie, Deban, Papi Ao, que Dieu vous bénisse. J'appelle la bénédiction de Dieu sur vous, Rosemarie, Stéphanie, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la paix de notre Seigneur Jésus sur vos vies, dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits. Soyez accueillis dans la présence de Dieu et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse vos cœurs, vos âmes et vos esprits. Je vous invite à entrer pleinement dans ce temps avec cette paix qui commence à tomber sur tous les départements de votre vie. Comme une fine pluie, comme une pluie de rafraîchissement. En ces temps de fin d'année, et en ces temps même, sans que ce soit fin d'année, milieu d'année ou autre, dans cette époque, je dirais, nous avons tant besoin de la paix de Dieu.
Et certains ne sont pas dans la paix à cause des œuvres de l'ennemi, mais il y a des personnes qui sont dans une certaine confusion. Je dirais que ce n'est pas une totale paix de l'âme, mais ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi. C'est une confusion que Dieu permet, comme cette confusion qu'il y avait au début de la création. Mais l'Esprit de Dieu se meut au-dessus ou dans votre vie, et cette confusion, en fait, c'est le travail de Dieu qui va emmener dans votre vie sa présence. Alléluia. Et comme au début de la création, aujourd'hui, notre thème, c'est que la lumière s'est levée. Alors, aujourd'hui, la lumière de l'Éternel va se lever sur la vie de toutes ces personnes qui vivent ces états de confusion intérieure, ces états de chaos intérieur, dans leur foi, dans leur relation, dans leur persévérance, dans leur état d'esprit. Le Seigneur fait lever aujourd'hui une lumière qui vient rétablir l'ordre au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous inviter, si vous avez des intentions particulières que vous n'avez pas pu nous déposer, si vous vous sentez à l'aise, déposez-les dans le chat. Nous allons les relever et prier pour ça d'une manière intentionnelle. C'est le mot de ma semaine. Intentionnel. Alléluia. Le cantique que nous avons mis dit, nous sommes émerveillés par l'éclat de ta gloire et de ta splendeur, Père. Alors ma prière aujourd'hui est de susciter, que Dieu suscite en nous chaque jour cet émerveillement. Mais cet émerveillement, pour que nous puissions le voir, nous devons être intentionnels. Nous devons décider de penser à Dieu. Nous devons prendre la décision de penser à Dieu. Nous devons prendre la décision de regarder le monde autour de nous avec un œil renouvelé. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à rentrer dans une adoration intentionnelle? Ce que j'appelle adoration intentionnelle, c'est que tu n'adores pas parce que la bergère te conduit. Tu n'adores pas parce que le cantique, la dame chante bien. Tu adores parce que tu décides d'adorer Dieu. Parce que tu regardes en toi-même et tu dis, quelles sont les raisons que j'ai d'adorer ce Dieu? Et tu te rends compte que la première raison que tu as d'adorer Dieu est le fait de pouvoir savoir, de pouvoir penser par toi-même, de pouvoir ouvrir la bouche pour l'adorer, de pouvoir être en vie à cet instant. Il y a de grands adorateurs de l'Éternel qui nous ont quittés dans cette semaine, comme notre frère Mathurin, que son âme repose en paix, qui n'auraient raté aucune occasion sur cette terre pour célébrer leur Dieu. Aujourd'hui, Dieu a décidé dans sa souveraineté que c'est toi et moi qui serons encore ici pour l'adorer sur cette terre. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, que rien ne te vole ce privilège. Que rien ne te vole ce privilège. Ni les soucis, ni l'entourage, ni le bruit autour de toi, ni connexion, ni organisation, ni que rien ne te vole ce privilège. Alors commence à élever ton cœur dans une adoration intentionnelle. Commence à lui dire, Seigneur, je te remercie pour ce privilège. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, 9 décembre, tu as décidé que je ferai partie des vivants sur la terre pour t'adorer. Tu as décidé aujourd'hui que mon adoration, je te la rendrai ici, sur terre, avec mes frères et sœurs à trône de grâce. Tu as décidé que d'autres te rendraient cette adoration dans le ciel. Père, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Je veux te bénir aujourd'hui, Seigneur, pour le don de la vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix et à commencer à bénir son Dieu pour tout ce qui est en lui, autour de lui? Que quelqu'un commence à élever la voix là où il se trouve. Quel que soit ce que tu es en train de faire, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, je ne sais pas si tu es à table,
Je ne sais pas si tu es en train de faire la cuisine. C'est possible. Nous, les femmes, nous pouvons prier en faisant la cuisine. Je ne sais pas si tu es au volant de ta voiture, si tu es dans le bus, si tu es dans le métro, si tu es dans ta voiture, si tu es dans la rue, si tu es couché. Je ne sais pas où tu peux être, mais je te demande de faire cet exercice. Que tes oreilles entendent ce que ta bouche est en train de déclarer tout doucement. Commence à bénir l'Éternel. Commence à l'adorer. L'adoration, c'est rendre, c'est dire qui Dieu est. C'est dire à Dieu qui il est. Magnifier sa grandeur. Bénir son nom merveilleux. Alléluia. Merci Nelly de nous aider dans cette adoration avec ce merveilleux cantique. Je t'invite à élever la voix là où tu te trouves. Je t'invite à commencer par célébrer le Seigneur. Célèbre-le pour la vie, célèbre-le pour la santé. Nous ne savons pas comment Dieu fait ses choix. Dans cette semaine, j'ai reçu tellement de demandes de prières pour des familles éplorées par le deuil. Mais vraiment des situations très difficiles. Des situations difficiles qui nous font même perdre le sommeil. Pour des personnes qu'on ne connaît pas. Il nous arrive parfois de nous poser des questions. Comment Dieu fait ses choix? Pourquoi est-ce qu'il a décidé qu'aujourd'hui, Papis, Amégandien, Anne, Jessica, moi, Deban, Muriel, Rachel, pourquoi le Seigneur a décidé que c'est nous aujourd'hui qui lui rendrons cette adoration sur terre? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qu'avons-nous payé? Quel privilège! Pourquoi le Seigneur a décidé qu'aujourd'hui, Albertine, Marie-Émilie, Marie-Rachel, pourquoi Dieu a décidé qu'aujourd'hui, nous, nous allons l'adorer sur un lien? Pourquoi il a décidé qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas partie de ceux qui sont dans le coma, dans les hôpitaux? Pourquoi Dieu a décidé aujourd'hui que nous ferons partie du groupe des adorateurs? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour ton choix de me donner la vie, de me donner la santé, de me donner l'occasion de te bénir? Pourquoi Dieu a décidé aujourd'hui que Louise, Joséphine, Isaïe, tu vas m'adorer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est toi qui vas me présenter toi-même ta louange. Pourquoi Dieu n'a pas décidé que nous faisions partie de ceux qui sont dans des tourments à la police, ceux qui sont dans des tourments dans des pays en guerre? Vous savez, ils n'ont même pas l'esprit à prier. Oh Seigneur, Seigneur, lorsque nous nous arrêtons un seul instant, nous pouvons prendre les 24 heures que tu nous donnes et te bénir, te rendre grâce, te célébrer sans interruption. Alléluia. Mais malgré toutes les belles, les grandes choses que tu fais pour nous, Seigneur, tu te contentes d'une action de grâce de quelques minutes. Que quelqu'un dise aujourd'hui, Seigneur, je ne te rendrai pas une action de grâce de quelques minutes. Je ne te rendrai pas une action de grâce de quelques minutes. Je veux te bénir pour ces 11 mois et ces 9 jours de cette année que tu m'as donné de te prier, que tu m'as donné de rire dans ta présence, que tu m'as donné de pleurer dans ta présence, que tu m'as donné d'être joyeuse, d'être fortifiée, d'être encouragée dans ta présence. Le Seigneur fait pour nous des merveilles. Il nous réveille, il nous garde pendant 24 heures. Et pourtant, il nous arrive des jours où nous n'avons même pas 5 minutes d'action de grâce. Est-ce que vous vous rendez compte? À commencer par moi. Alors, si l'occasion nous est donnée que le Saint-Esprit rappelle à nos cœurs ce mystère de la vie, de l'amour de Dieu porté sur nous. Est-ce que quelqu'un peut me prêter la voix? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à adorer ce Dieu tellement bon? Que chacun lui dise, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Seigneur, merci pour ton regard posé sur moi. Que quelqu'un lui dise, Seigneur, merci aujourd'hui d'avoir renouvelé le souffle de vie
en moi. Merci de n'avoir pas regardé au péché que j'ai fait hier et de m'avoir réveillé aujourd'hui. Est-ce qu'une adoration peut s'élever là où tu te trouves maintenant et que l'atmosphère soit shiftée maintenant pour que l'atmosphère du ciel descende dans ce temps? Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père des miracles, Dieu des promesses, en l'aide d'un grand Dieu. Tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin en ruine. Père des miracles, tu tiens des promesses. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons ce soir encore te dire merci pour ces grâces. Merci Père éternel. Toi qui nous as choisis, toi qui nous as aimés les premiers. Nous voulons ce soir, Seigneur, te louer, t'adorer. Tu es si bon, tu es si merveilleux avec nous, Seigneur. Oui, comme a dit la bergère, nous nous posons cette question, oui, pourquoi nous? Mais c'est juste par ta grâce et par ton amour. C'est pour ça, Seigneur, unis avec tous mes frères et sœurs ici connectés, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci. Merci pour cet amour. Merci pour ta bonté. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Toi qui soulages. Toi qui guéris. Toi qui nous donnes la force chaque jour. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre action de grâce de ce soir. Reçois, Seigneur, notre adoration. Parce que chaque jeudi, Seigneur, tu viens nous faire du bien. Tu viens faire du bien à tes enfants connectés. C'est pour ça que je veux, Seigneur, ce soir, invoquer le sang de ton Fils dans la vie de chaque frère et sœur ici connecté. Que ce sang vienne les couvrir, les éloigner eux, sur eux, Seigneur, tout esprit qui veut les empêcher de recevoir encore ta grâce ce soir.
tu veux les perturber, de rentrer en contact, de véritablement t'adorer ce soir. Tu veux, Seigneur, ce soir les cacher dans ton sang précieux. Parce que oui, ce soir encore, tu viens encore nous faire voir ta gloire. En ce temps, Seigneur, où tout est lourd, où l'atmosphère est lourde, Seigneur, nous voulons entrer dans ta vie, nous voulons entrer, espérons de ta grâce, Seigneur. Expérimenter ta gloire. Dispose tes enfants, Seigneur. Ta présence nous fait tellement du bien, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Élevez la voix, mes frères et sœurs. Sortez. Sortez de vos cœurs. Parlez à ce Dieu qui est présent. Faites silence autour de vous. Montez votre adoration comme vous. Il n'y a que lui et vous, là où vous êtes. Déclarez-lui. Dites-lui comment il est bon, comment il est merveilleux, comment il nous fait du bien chaque jour. Combien vous avez besoin de lui. Sans lui, notre vie n'a pas de sens. Sans lui, nous sommes rien. Nous voulons que l'adorer, que lui seul. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui a conduit tous tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es trop fidèle pour m'abandonner. Oh, tu es trop fidèle pour me décevoir. Tu t'es prouvé dans ma vie et je me suis rendu compte. Tu es trop fidèle. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous voulons encore expérimenter cet amour ce soir. Remplis-nous, Père, de toi. Remplis-nous de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Je m'en vais, Seigneur.
Nous voulons t'adorer ce soir, Seigneur. Tu es le véritable consolateur. Mes frères et sœurs, vous savez, je veux juste partager un témoignage avec vous. Juste, à un moment de ma vie, j'ai passé des moments difficiles où je me suis un peu détournée de Dieu. Parce que j'étais blessée, parce que j'avais mal. Et ce temps, ça a pris quelque chose de un mois. Mais à un moment donné, je me sentais vide. Je me sentais vide parce qu'il me manquait quelque chose. J'avais encore cette douleur, j'avais encore cette souffrance. Mais il y avait une autre souffrance qui était plus que tout. Et je pleurais. Je n'étais pas bien. Et j'en parlais avec un homme de Dieu. De tout et de rien. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer. Et lui, il croyait que c'était ma situation, ce que je vivais, qui me faisait pleurer. Mais ce n'était pas ça. C'est parce que ce temps que je me suis détournée de lui. J'avais plus cette intimité avec lui. J'avais perdu, le diable m'avait volé ce temps de prière, de connexion avec mon Dieu. Le moment où je l'adorais. Le moment où je priais avec lui, qui me faisait du bien, qui me soulageait. Et le diable l'a ôté à cause de cette situation. Et au bout de ces quelques semaines, il me manquait cette connexion. Il me manquait ce temps. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que sans lui, j'étais rien. Que j'avais besoin de lui. J'avais besoin de ce contact. J'avais besoin de ce temps de partage avec lui. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous dis ce soir, de rentrer véritablement en adoration avec votre Dieu. De sentir ce besoin, qu'il puisse venir remplir ce vide en vous. Ce temps où quand on finit d'adorer, on sent cette paix. Cette paix que souvent la voix de ce monde, le diable, essaie de nous voler, essaie de nous l'ôter. Ce soir, ma prière, c'est que malgré ce que nous traversons, malgré les situations que nous vivons, que nous ne perdons pas ce temps précieux d'adoration, de louange avec notre Sauveur, avec celui qui a toutes les solutions, avec celui qui nous console, avec celui qui nous donne la paix, malgré les situations. Que nous puissions expérimenter ce temps merveilleux avec lui, même si c'est 2 minutes, même si c'est quand vous êtes en train de conduire ou pendant que vous travaillez ou pendant que, je ne sais pas, 2 minutes, 1 minute, mais c'est un temps précis qui fortifie. Seigneur, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Et je sais que vous tous ici connectés, vous savez très bien que quand, comme on dit peut-être dans la langage
quand on goûte, on ne peut pas laisser. Tellement que c'est merveilleux. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié ce soir. À lui revient toute la gloire. Oui, Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de passer du temps avec toi. Ce privilège que tu nous donnes d'expérimenter ta présence dans notre vie. Le privilège que tu nous donnes chaque jour, expérimenter ta gloire dans notre vie. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Nous voulons encore élever la voix, te chanter, te glorifier, Seigneur, ce soir. Malgré tout, Seigneur, nous voulons laisser de côté tous nos soucis, toutes les situations qui nous troublent, et juste dire merci, Seigneur. Merci. Parce que tu nous as amenés à la lumière. Merci pour cette lumière. Merci de nous avoir éclairés. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, tu n'échoues jamais. Tu ne changes jamais. Tu es toujours le même. Hier et aujourd'hui. C'est pour ça que nous voulons encore, Seigneur, la lumière. Qui nous conduit. Pour ta lumière qui nous éclaire, même quand nous sommes dans le ténèbres. Yeah.
Oui, Seigneur, ce soir, sois la lumière qui éclaire tes enfants qui marchent dans l'obscurité, qui sont en train de traverser des moments difficiles dans le deuil. Parce que oui, comme dit la servante tout à l'heure, nous avons reçu beaucoup des intentions. Concernant des décès. Et c'est des moments où des familles entières sont perdues, déboussolées, ne voient pas la solution autour d'eux, sont perdus dans la douleur, ne voient, ils oublient même de tourner vers lui, leur Dieu, parce qu'ils sont dans l'obscurité. Viens illuminer leur vie. Viens, Seigneur, éclairer ces familles. Cette lumière va leur donner la force. Cette lumière va les restaurer. Cette lumière va les couler. Nous, tu es la lumière de notre vie. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, que tous ici connectés c'est le Dieu de la lumière. À toi, Seigneur. Merci pour la présence de tes enfants. Merci pour la vie de chacun de tes enfants ici présents. Père, aujourd'hui, nous sommes réunis dans ta présence parce que nous savons que c'est toi et toi seul qui peux nous faire du bien. Aujourd'hui, c'est au pied du trône de ta grâce où toi-même tu nous as demandé de nous approcher. Sans crainte que nous venons, Seigneur, élever les situations de nos vies. Je voudrais que si tu as
ta Bible, ce qui serait une très bonne chose quand tu te connectes pour prier, que tu puisses prendre ta Bible au chapitre 9 du livre du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, on l'appelle le prophète christique. Il est l'un des prophètes dont j'ai le plus entendu parler dans ma formation spirituelle. Il était aussi le livre préféré de mon mentor. C'est un livre très très riche en révélation christique. Je ne me rappelle plus avec précision combien d'années ce prophète a existé avant Jésus-Christ. Mais les descriptions qu'il a données de notre Seigneur sont si riches, sont si fortes, si précises, que plusieurs l'appellent le prophète christique. Il est aussi considéré comme un prophète majeur. Et je pense que vous connaissez la différence entre ce qu'est un prophète majeur et un prophète mineur. Ésaïe est donc un prophète majeur. Dans les débuts de son livre, il parle de Dieu, bien entendu, puisque par tous les prophètes, particulièrement les prophètes majeurs, Dieu a beaucoup exprimé ses sentiments vis-à-vis de son peuple. Et ça ressemble à une relation de couple. C'est comme un époux qui vient parler de son amour pour son épouse, qui vient parler de toutes les difficultés qu'il vit avec son époux. Et vous savez ce qui se passe? C'est que dans cette époque, les gens n'écoutaient pas vraiment. Alors, il fallait que Dieu appointe un prophète qui lui donne son esprit, qu'il dépose sur lui son esprit, afin que ce prophète puisse parler avec l'autorité de l'esprit de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un commence déjà à me dire amen, s'il commence à rentrer dans la révélation de cette parole. Il a pointé un prophète sur qui il déposait son esprit afin que ce prophète puisse parler avec l'autorité de cet esprit sur un peuple qui généralement n'écoute pas. Vous savez, quand j'étudie l'Ancien Testament, et avant qu'on ne termine ce trône de grâce, je vais confier à Jessica la responsabilité de me rappeler que je dois partager un plan de lecture biblique annuel. Alléluia. Toute la famille Trône de Grâce, nous allons commencer par étudier les Écritures du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Et le Saint-Esprit de Dieu vous donnera un certificat d'autorité à la fin de l'année. Alléluia. Que quelqu'un dise alléluia. Jessica, tu es chargée de me rappeler cela. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Parce que toi et moi, nous ne sommes même pas, vous savez, ces grands prophètes comme Ésaïe, toi et moi, je vais t'informer que nous sommes même plus qu'eux. Alléluia. La lettre de Pierre nous le dit. Tu peux lire la lettre de Pierre en 2 heures de temps. Tu peux lire les 2 lettres de l'apôtre Pierre en 2 heures de temps. Il va te dire que ce que nous avons, tu vois Ésaïe, Ésaïe qui a annoncé ces grandes choses, ces grands oracles. Je vais dire oracle, c'est-à-dire quelque chose, un mystère qui vient directement du Très-Haut, un oracle. Les sorciers, les féticheurs utilisent le mot oracle pour impressionner les gens, pour dire c'est un message qui vient du mystérieux inconnu. Je vais te dire que notre Dieu nous a annoncé des oracles au travers de ses prophètes. Et aujourd'hui, notre Dieu continue d'annoncer des oracles au travers de son peuple, de tous ceux qui le cherchent.
toi et moi, nous ferons partie de ceux qui le cherchent encore en cette année 2022. Chaque jour, nous allons étudier la parole de Dieu. Celui qui se sentira faible, qui aura sauté 2-3 jours, n'a qu'à écrire à Clé de David pour que nous puissions prier pour toi, te fortifier et trouver avec toi un moyen de t'aider à te rebooster pour que tu ailles. Mais nous allons, c'est ce combat que nous allons mener ensemble. Celui qui est d'accord dit Amen. Celui qui n'est pas d'accord, il raccroche. Nous devons entrer, nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu, parce que toi et moi, Dieu n'a pas pris une partie de son esprit comme il le faisait avec les prophètes pour le déposer sur nous. Toi et moi, Dieu nous a remplis de son Esprit Saint. Il a tenu sa promesse. Il nous a remplis de son Esprit Saint. Il nous a remplis de son Esprit Saint. Et alors, ça veut dire que Cathy, Geneviève, Théodora, Stéphanie, David, Rose, Rita, nous marchons avec l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Ésaïe nous annonce que la lumière va se lever. Philippe, je t'annonce que la lumière va se lever. Au nom de Jésus-Christ, je dis va se lever. Mais en vérité, cette lumière s'est déjà levée. Que quelqu'un dise avec moi, cette lumière s'est déjà levée. Nous allons le répéter 7 fois pour que notre environnement commence à être chargé de cette vérité. La lumière s'est déjà levée. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, déclare déjà avec moi, la lumière s'est déjà levée. Joël, déclare que la lumière s'est déjà levée. Peu importe ce que tu vis, je dis que la lumière s'est déjà levée. Commence à déclarer avec moi, Sénami, que la lumière s'est déjà levée. Commence à déclarer avec moi, Philippe, que la lumière s'est déjà levée. Alléluia. Mais je dis aujourd'hui, la parole de Dieu qui nous rassemble aujourd'hui nous fait une promesse. L'Éternel Dieu dit, je viens briser le joug pendant que nous ne nous y attendons pas. Le Seigneur dit, je vais voter 7 jeudis et je vais briser le joug. Alléluia. Et pendant ces 7 jeudis, que le Seigneur a voté depuis le jeudi dernier. Laisse-moi te dire un mystère qu'il est en train de me montrer en vision maintenant. Le Seigneur a envoyé sa milice céleste, je te dis, dans chaque pays de ce monde. Nous sommes connectés de plusieurs pays ici. Le Seigneur envoie dans chaque pays, mais il envoie dans chaque maison ses anges pour récupérer, pour identifier, que quelqu'un dise identifier, pour amener au pied de la croix, qui est le trône, l'autel le plus puissant de la délivrance qui n'ait jamais existé. Tous ces enfants qui sont encore dans les ténèbres, dans des chaînes, dans des prisons, et il le fera parce qu'il l'a dit. Il est déjà en train de le faire parce qu'il l'a dit. Il le fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est-ce qui pense qu'il est ici parce que quelqu'un l'a invité, parce qu'une amie, un parent, un ami l'a invité? Que quelqu'un me dise, je suis ici simplement parce que telle personne m'a invité. Je vais t'arrêter tout de suite. N'écris pas cette erreur. Tu n'es pas ici parce que Geneviève, parce que Nelly ou je ne sais qui t'a invité. Non, non, non. Ils auraient pu t'inviter et Dieu aurait pu reprendre ton souffle de vie avant que tu ne puisses le faire. Ils auraient pu t'inviter que tu oublies si tu es comme moi. Ils auraient pu t'inviter et que tu sois trop occupé, que tu le veuilles, mais que tu ne puisses pas. Que Dieu ne permette pas. C'est Dieu qui a envoyé sa milice céleste dans ton agenda, dans ta vie. Il avait écrit dans des temps que c'est le jour où il vient te rencontrer personnellement au travers du ministère d'une servante là, qu'il n'est même pas nécessaire de dire son nom. Mais ce qui importe, c'est que tu es là et que tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, qui n'est pas venu pour t'accuser, mais pour te délivrer. Car Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour vous juger, pour dire, ah Mado, toi aussi tu as fait trop d'erreurs. Pour dire, ah Roselyne, c'est que toi aussi tu as pris du temps à me suivre. Pour dire, ah Sophia, toi aussi tu n'as pas pris certaines choses comme... Non, il dit, je suis venu pour sauver. Que quelqu'un commence à dire merci Seigneur.
Je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu viens encore me sauver dans la situation que je traverse. Est-ce que quelqu'un peut dire encore, Seigneur, merci, parce que je crois qu'aujourd'hui, tu viens. Vous savez ce qui est extraordinaire avec notre Dieu? Notre Seigneur, ce n'est pas un Dieu de la deuxième chance. C'est le Seigneur de l'autre chance. C'est le Seigneur d'une autre chance. Peut-être que plusieurs parmi vous ici sont en train de dire, j'ai fait trop de bêtises, je ne sais même pas comment réparer tout ça. Peut-être que certains sont en train de dire, j'ai fait trop de promesses à Dieu, je n'ai pas tenu, je ne pourrai pas revenir. Moi, je vais te dire, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a encore tendu une main. C'est parce que Dieu lui-même est allé te chercher. C'est parce que Dieu lui-même veut encore faire quelque chose dans ta vie. C'est parce que Dieu lui-même croit que ce n'est pas fini et qu'on peut, tout peut changer. Je dis tout peut changer. Tout peut changer, tout. Tout peut changer, tout peut changer. Je vous dis que tout peut changer, tout peut changer. Pendant que je vous dis tout peut changer, le Seigneur me montre la vie de plusieurs personnes. Il confirme tout peut changer. Il n'y a pas de ténèbres trop épaisses pour lui. Il n'y a pas de prison dont la porte est trop dure pour lui. Tout peut changer. Il n'y a pas d'addiction dans lesquelles Dieu ne puisse te sortir. Il n'y a pas de maladie dans lesquelles Dieu ne peut te délivrer. Il n'y a pas de tombeau desquels Dieu peut te sortir. Je dis qu'il souffle son esprit et les ossements desséchés reprennent vie. Que quelqu'un dise amen, parce que l'éternel Dieu est en train de travailler dans nos vies actuellement. Merci Seigneur. Le Seigneur appointe son serviteur Ésaïe dans un temps, comme l'a dit la bergère tout à l'heure, sombre, dans un temps lourd, dans un temps où le peuple ne sait plus où donner de la tête. Je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, quand la lettre de Pierre que je médite ces temps-ci parle dans le chapitre 2 au verset 4 ou 5, de la vie de Lot. Lot, cet homme qui était dans un pays de grande débauche, la Bible dit ceci, son cœur de juste était tourmenté à chaque instant, jour et nuit, à cause des mauvaises actions du peuple de Dieu, non, du moins du peuple de ce pays. Mes frères, lorsqu'on marche avec l'Esprit de Dieu, on souffre quand on voit comment le monde, comment nos frères se perdent. On perd la tête. Si tu es comme moi, tu peux même casser la tête de quelqu'un tellement tu es choqué par des choses qui se passent. Tu peux même gifler quelqu'un pour lui dire, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas pour vous décourager. C'est pour vous ramener à occuper votre véritable place. Le monde va mal. Nos frères, nos sœurs se perdent chaque jour. Certains parce qu'ils ne savent même pas quel chemin prendre. Mon cœur pleure pour les enfants, pour les adolescents. Je me dis, Seigneur, quelle génération d'adultes ils trouveront pour les guider? Il faut que nous les guidions parce qu'ils sont les adultes de demain. Et c'est eux que nos enfants, nos petits-enfants vont peut-être trouver. Mes frères, mes sœurs, le combat devient plus ardu parce que Jésus revient bientôt. Le diable est décidé à gâcher l'avenir d'un homme, d'une femme, simplement parce que Dieu l'a béni. Écoute, Dieu t'a béni par tes enfants, par ton travail, par ton épouse, par ton époux. Et le diable n'est pas content de ça. Mais que quelqu'un dise, il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Nous voyons nos bénédictions attaquées, détruites, les gens que nous aimons, maltraités par l'ennemi. Mais nos paroles seulement ne peuvent pas arranger la situation, mes frères, mes sœurs. Il faut que nos paroles soient teintées de l'autorité de l'Esprit de Dieu. Et pour que nos paroles soient teintées de l'Esprit de l'autorité de Dieu, il faut que nos paroles s'emboîtent dans les paroles de l'Esprit même, dans les paroles de Dieu qui ont été soufflées par l'Esprit. Pour qu'un avocat et de l'autorité à la cour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient et puis il parle par lui-même? Non. Il cite des articles. Il
parle sur la base d'une loi. Si il vient et puis il se met à parler sur la base de ses règles de chez lui ou de son groupe d'amis, mais on va lui dire, mais de quoi tu parles? Ce qui fait la compétence d'un avocat quand il défend une situation, mais c'est parce que il parle sur la base de la loi. Il connaît la loi. Il cite la loi. Il regarde une situation et il dit, c'est tel article qui est appliqué à cette situation. Voilà comment je peux m'en sortir. En te donnant sa parole, Dieu a fait de toi un avocat pour ta situation. Et en 2022, avec la grâce de Dieu, trône de grâce doit être un lieu enflammé de la parole de Dieu. Où lorsque tu viendras pour plaider ta cause, en fait, le Seigneur te donnera l'autorité de pouvoir présenter et de pouvoir recevoir le miracle, non seulement pour toi, mais que tu en aies assez pour que ce miracle déborde et touche la vie de tous ceux qui vivent la même chose que toi. Alléluia. C'est ce que la puissance de la parole fait. Paul dit, lorsque je suis venu parmi vous, je ne suis pas venu avec des discours d'hommes, je suis venu pour vous me présenter avec pour une démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Voilà le joug sous lequel le peuple de Dieu vivait. Une grande tristesse, une lourdeur, un éloignement de Dieu. Et le Seigneur vient dire à son serviteur qu'il est le Dieu qui tient l'univers dans sa main, tout l'univers dans sa main. Il n'y a rien qui puisse lui échapper. Que quelqu'un dise, Seigneur, rien ne peut t'échapper. Repense à ta situation, à ce que tu es en train de vivre actuellement et dis-lui, Seigneur, rien ne peut t'échapper. Tout est dans ta main. Dis-lui, Seigneur, ma vie est dans ta main. Est-ce que quelqu'un peut dire à son Seigneur en ce moment, Seigneur, ma vie est dans ta main. Dis-le en pleurant, dis-le en souriant, dis-le couché, assis, debout, mais dis-lui, Seigneur, ma vie est dans ta main. Ma santé est dans ta main. Ma situation est dans ta main. Mon mariage est dans ta main. Mon époux est dans ta main. Mes enfants sont dans ta main. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe. Vous savez à qui quelqu'un, quelque chose qui échappe à quelqu'un, c'est comment? Par exemple, tu es dans une pièce toute noire, tu ne vois rien. Ou quelque chose passe derrière toi, tu ne vois rien. Notre Dieu n'est pas comme ça. Rien ne lui échappe. C'est pourquoi la Bible dit, même les ténèbres sont pour lui lumière. Il voit tout. Il sait tout. Il comprend tout. Et le Seigneur dit à son serviteur qu'il y a un peuple qui vit dans les ténèbres. Mais ce peuple verra briller la lumière. Il verra briller la lumière. Et je voudrais que tu regardes ce verset, parce qu'il ne dit pas seulement une lumière, il dit une grande lumière. Ça veut dire quelque chose qui va éclairer ta vie et qui va éclairer et même après toi. Vous savez, je veux aborder un sujet ici très important que le Seigneur met à mon cœur. Nos parents ou nos grands-parents ont commis certaines erreurs. Ils ont scellé des alliances avec des dieux et des entités qui leur ont promis la lumière. Mais vous savez, cette lumière, elle ne s'est arrêtée qu'à leur vie. Cette lumière n'a pu éclairer que leurs problèmes à eux dans le temps présent. Cette lumière n'avait pas assez de puissance pour éclairer les générations à venir. Et ce qui s'est passé, c'est que les ténèbres, à cause du mensonge du diable, guettaient les générations à venir pour détruire. Et plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous vivons des difficultés que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas d'où ça vient. Nous nous battons contre des réalités que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas d'où viennent certaines addictions. Nous ne comprenons pas d'où viennent certains traits de caractère.
la colère, le mensonge. Il y a des gens qui mentent jusqu'à ce que, s'ils étaient peut-être en Europe ou ailleurs, certainement on pourrait détecter chez eux une pathologie. Il y a des choses qui se passent dans notre vie qu'on ne peut pas. Il y a des gens qui sont d'une paresse, qui ne peuvent pas comprendre. Ils ne réalisent rien à cause de cette paresse. C'est un joug. Il y a des gens sur qui il y a un joug de procrastination terrible parce que c'est un esprit de limitation. L'ennemi a posé une limite dans la vie à partir d'une alliance de nos parents. Tu ne dépasseras pas ça. Chaque fois que tu arrives là, il y a une corde qui te tire en arrière. Boum, et tu retournes encore pour dire, je le ferai demain. L'occasion passe. C'est un joug. Ils ont fait des choses. Ils sont entrés dans certaines alliances, dans certaines pratiques innocemment. Et ces pratiques ont impacté négativement la vie de la descendance. Mais le Seigneur dit qu'il fera lever sur le peuple qui vit dans les ténèbres une grande lumière. Une grande lumière. C'est-à-dire, c'est une lumière qui dépassera le spectre de ta vie, le domaine de ta vie, qui dépassera ta vie, une lumière qui soit capable d'éclairer les générations, une lumière qui soit capable de montrer la direction à des générations. Alléluia. Dieu nous aime tellement que tout ce qu'il fait pour nous, il le fait en excès. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire qu'une goutte du sang de Jésus pouvait sauver l'humanité. Mais il a voulu mourir et mourir à la croix, vidé de son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Merci Seigneur. Là où tu es maintenant, nous allons faire quelque chose. Tu vas fermer les yeux et tu vas bien penser. Quelles sont les ténèbres que tu traverses en ce moment? Quelles sont les ténèbres que tu traverses en ce moment? Et je voudrais qu'à la fin de ce temps de prière, que tu prennes un papier. Et que tu écrives dessus toutes ces choses qui fatigue ta vie, toutes ces choses qui te font pleurer, toutes ces choses qui te font souffrir. Que tu regardes bien ces choses sur ton papier et que tu prends la décision d'appeler sur ces choses la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, pour casser les ténèbres que ces choses emmènent dans ta vie. Mais en prenant la décision d'appeler la lumière de Jésus, c'est parce que tu prends la décision de te mettre du côté de Jésus. De quel côté es-tu? De quel côté est ta volonté? Qui se sent capable de vaincre les ténèbres de sa vie en se mettant du côté de Jésus? Ce n'est pas une faute si tu ne t'en sens pas capable. Tu auras juste besoin d'aide. Mais celui qui ne reconnaît pas sa faute ne peut pas être béni. Il faut d'abord que tu reconnaisses tes ténèbres. Il faut d'abord que tu admettes qu'il y a des ténèbres dans ta vie. Que tu sois capable d'avoir le courage de te l'avouer dans ton esprit et d'aller jusqu'à l'écrire. Prends un temps seul, au dehors, au bureau, à la maison, la nuit. Lève-toi, va même dans les toilettes seul et pose sur ce papier. Et regarde, ne l'écris pas pour le jeter, non. Il faut regarder. Il n'y a aucune épreuve qu'on surmonte sans y faire face. Dieu n'a pas fait de nous des lâches.
Il nous a donné son esprit pour faire face à toutes les situations avec le courage et la force de son esprit. Quelles sont les ténèbres qui remplissent ta vie? De quel côté es-tu? Te sens-tu prêt à combattre ces ténèbres? Veux-tu les combattre? Le Seigneur s'adresse à toi personnellement. C'est à toi qu'il parle. Il n'est pas en train de parler à un groupe. Je vois maintenant ici un homme assis, la tête entre les mains. Le Seigneur dit, c'est à toi que je parle. De quel côté es-tu? De quel côté est ta volonté? Dieu, à cet instant, est en train de te parler. Et il est à côté de toi, pas comme un juge, mais comme un ami qui veut t'aider à t'en sortir. Veux-tu laisser cette maladie prendre le dessus sur toi? Veux-tu laisser ces difficultés dans ton travail prendre le dessus sur toi? Dans ton ménage, dans tes relations peut-être avec des partenaires, veux-tu laisser le chaos qui est en train de s'installer dans tes projets prendre le dessus sur toi? Veux-tu laisser cette tristesse prendre le dessus et contrôler ta vie? Veux-tu laisser cette addiction prendre le dessus et décider à chaque instant quand est-ce que tu dois tomber? Que quelqu'un dise non! Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu n'a pas abandonné ton affaire. Et Dieu n'est pas décidé à te laisser comme ça. Non, il a payé un trop grand prix. Quelle est la personne qui ne va pas rechercher sa boucle d'oreille en or qui est tombée même au milieu d'un banc de sable? Tu vas même faire un effort, même si tu sais que peut-être je ne vais pas le retrouver parce qu'il y a trop de ça, mais tu vas faire un effort parce que ça a un prix. Je veux dire à Deban, à Nora, à Papis, à Philippe Dior, à Rita, je veux dire à Rose Marie, tu as du prix aux yeux de Dieu, Séraphin. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Sénami, Séverine, Sophia, tu as du prix aux yeux de Dieu. Véronique, tu as du prix aux yeux de Dieu. Cathy, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne va jamais abandonner ton affaire. Si tu es fatigué de toi, il y a des gens qui sont fatigués d'eux-mêmes. Je connais une personne. J'ai compris son problème. Elle est fatiguée d'elle-même. Vous savez pourquoi? Elle fait trop d'erreurs. Elle-même ne sait pas ce qui l'emmène à faire des erreurs. Même quand tout va bien, cette personne a l'art de trouver quelque chose qui va emmener un problème. Et quand même tu lui fais comprendre, la personne réagit mal. Ce n'est pas parce que elle veut, c'est parce qu'elle-même, elle en a marre de mal faire. Qui se reconnaît dans ça? Il y a des gens qui sont fatigués d'eux-mêmes, je vous dis. Il y a des gens qui sont fatigués d'eux-mêmes. Ils sont fatigués d'eux-mêmes. Ils sont fatigués de leur faiblesse. Hey, ils sont fatigués de leur faiblesse. Ils sont fatigués de leur... ils sont fatigués de leur péché. Ils sont fatigués de leur bêtise. Pour dire les mots, ils sont fatigués d'eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se mettent à la place de Dieu et ils se disent « Dieu est fatigué de moi ». Mais en fait, c'est toi qui es fatigué de toi. Parce que toi-même, tu as fait tellement de choses que toi-même, si c'était une autre personne, tu ne pourrais pas lui pardonner. Toi-même, tu es fatigué d'essayer. Toi-même, tu es fatigué de revenir chaque fois à Dieu et de dire, Seigneur, pardon. Qui se sent comme moi aujourd'hui dans cette situation? Tu es fatigué de dire, Seigneur, pardon. Dieu n'est pas fatigué de toi. Dieu n'est pas fatigué de toi. Dieu n'est pas découragé dans ton affaire. Parce que ces ténèbres, quelles épaisses qu'elles puissent être, Dieu a dit,
le peuple qui vit dans les ténèbres. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres dans lesquelles tu vis jusqu'à tu es fatigué de chercher la lampe. Tu es fatigué de chercher l'interrupteur. Dieu dit, la lumière, il verra la lumière se lever. Une grande lumière resplendira. Estelle, une grande lumière resplendira. Je veux ressortir, ça c'était affiché, je veux ressortir la liste des noms de mes frères, de mes sœurs qui sont connectés ici. Moi, je veux poser un acte prophétique aujourd'hui. Parce que je ne suis pas en train d'exhorter, je suis déjà en train de prier avec toi en cet instant. Augustine, une lumière resplendira. Ashley, une lumière resplendira. Et si une lumière resplendira. Oui, Anne Diouf, Anne-Marie Sec, une lumière resplendira. Aurélie, une lumière va se lever. Berthe, Karine, Christian, Clarisse, une lumière va se lever. Je ne sais pas de quoi vous êtes fatigué, mais Dieu n'est pas fatigué. Et pendant que la parole de l'Éternel est en train d'être relâchée, vous savez, il y a des anges qui n'attendent que ça pour prendre cette parole et l'exécuter. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce n'est pas Geneviève qui a dit que quand on relâche la parole, il y a des anges qui sont là, invisibles. Mais dès que la parole est relâchée, c'est comme si c'est leur contrat de travail. Ils prennent et ils commencent à remonter ça pour que cette parole soit exécutée. C'est la parole de Dieu elle-même qui le dit. C'est pourquoi je dis Clarisse, Constance, David, Pete. Une grande lumière resplendira. Joanita, Delphine, Elisa, une grande lumière resplendira. Elisabeth, je ne sais pas dans quelles ténèbres vous êtes trempés, qui vous enveloppe, mais ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur qui nous réunit dit cela. Evelyne, quand je dis Evelyne, je prononce le nom de toutes les Evelynes qui sont connectées. Fatima, Agathe, Fernande, une lumière resplendira. Une lumière se lèvera sur vos ténèbres, mes frères, mes sœurs. Fifa, une lumière se lèvera. Gisela, une lumière va se lever et va resplendir sur ta vie. Gislaine, quelles que soient les ténèbres que tu traverses, Dieu n'est pas découragé. Ne te décourage pas parce qu'une lumière va se lever. Une grande lumière va se lever. Gina, Mado, Estil, ne te décourage pas. Horacia, Dieu est à l'œuvre. Judith, tu as vu déjà la lumière de Dieu, mais une grande lumière va se lever. Parce que Dieu n'est pas fatigué de notre affaire. Que quelqu'un dit, Dieu n'est pas fatigué de mon affaire. Je veux que l'esprit de quelqu'un se relève à cet instant. Si tu étais découragé de toi-même, si tu étais découragé de ta situation ou d'une personne, Dieu n'est pas découragé. Dieu n'est pas découragé. Est-ce que cette personne a fait 4 jours dans le tombeau comme Lazare? Est-ce que cette personne sent? Peu importe. Lui, il redonne la vie. Il relève. Alors je dis Isabelle, Isaïe, Jessica, une lumière va se lever. Jodel, Joseph, Joséphine, Jude, une lumière va se lever. Une lumière va resplendir. Laurine, Léa, Léontine, Louise, Lucienne, Madeleine, une lumière va se lever. Une grande lumière va resplendir. Maëva, Marie-Claude, Marie-Émilie, une lumière va se lever. Une grande lumière, Marie-Rachel. Marie-Thérèse, Mario, une lumière va se lever. Une lumière va resplendir, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres. Muriel, Deban, Nora, Philippe, une lumière va se lever. Quel que soit le type de ténèbres que vous êtes en train de rencontrer, aucune ténèbre ne résiste à l'Éternel Dieu, à la parole puissante qu'il relâche, car elle ne revient jamais à lui sans avoir d'effet. Une lumière
se lève, elle resplendira au nom de Jésus-Christ. Oui, oui, j'ai le courage de le déclarer. Rita, Rose, Rosemary, Rosine, Sénami, Séraphin, une lumière resplendira. Séverine, Sophia, Stéphanie, Théodora, Cathy, Véronique, une lumière resplendira. Mes sœurs de Clé de David, une lumière resplendira. Une lumière resplendira. Et la parole de Dieu nous dit dans la lettre de Pierre que cette lumière, elle s'est déjà levée. Maintenant, je vais terminer par ce point. Est-ce que tu peux me suivre bien? La parole dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Une lumière, la lumière resplendira. Maintenant, je vais te poser la question. Parce que je voudrais que pendant 2 minutes que le Seigneur va envoyer la puissance de son esprit dans ton esprit pour travailler. Est-ce que vous savez ça? Il y a des silences nécessaires dans la présence de Dieu, où Dieu vient gifler certains, pincer certains, tapoter certains, parce qu'il faut que quelque chose se réveille en nous. Maintenant, je vais te poser une question. Que l'Esprit de Dieu m'inspire. J'ai prononcé le nom de chaque personne. Donc, si tu es en train de dormir, même dans ton sommeil, tu entendras cette question. Même dans ton sommeil, tu entendras cette question. Pourquoi le Seigneur parle au futur? Pourquoi le Seigneur parle au futur? Pourquoi le Seigneur ne dit pas « Le peuple qui vivait dans les ténèbres voit une lumière, une grande lumière se lever, la lumière resplendira. » Le Seigneur dit « Tu verras la lumière. » Le Seigneur dit « La lumière resplendira. » Pourquoi ce temps est au futur? Pourquoi ce temps est au futur? Je vais te poser cette question. Pourquoi ce temps est au futur? Pourquoi ce n'est pas dans le présent? Le futur, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit arriver et qui n'est pas encore arrivé. Le passé, c'est ce qui est passé, qui est derrière, qui n'existe plus. Écoutez. Il y a un mystère dans ce verset. Il y a un mystère dans ce verset. Ce verset contient 2 temps. Il dit le peuple qui vivait dans les ténèbres. Rien n'est dit sur le présent. Mais on dit, il verra la lumière se lever. La lumière resplendira. Il y a quelque chose qui manque dans ce verset. Il y a un temps qui manque dans ce verset. Ce temps qui manque, c'est le temps présent. Le temps présent. Le temps présent. Je vais te dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour me permettre de comprendre ce verset comme ça. Et je pense que c'est une révélation qui est propre à ce temps d'aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, le temps qui manque là, le temps présent qui manque, c'est toi. C'est toi et moi aujourd'hui dont j'ai prononcé audiblement le nom maintenant. Je ne sais pas ce que tu vivais jusqu'à cet instant. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui couvraient ta vie. Et même peut-être ta destinée pour certains.
Mais le Seigneur promet qu'une lumière va resplendir, qu'une lumière va se lever. Mais dans le temps présent, il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque chose doit arriver afin que cette lumière resplendisse. On va dire qu'il manque un interrupteur. À l'époque d'Ésaïe, lorsque cette parole a été donnée, le temps présent qui manquait là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur parlait au passé des douleurs de son peuple et il annonçait la libération future. Mais il fallait que quelque chose se passe entre-temps. Il fallait que Jésus-Christ de Nazareth fasse son entrée. Il fallait que Jésus-Christ de Nazareth meure à la croix. Je vais te dire, dans le mystère du miracle et de la délivrance, les sorciers le savent, hein, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et le sacrifice, c'est le temps présent, ce que toi tu vas faire. Il fallait que Jésus-Christ vienne, qu'il meure à la croix pour que cette lumière puisse resplendir. Et le Seigneur dit une lumière, une grande lumière, elle resplendira. Ce n'est pas qu'elle éclairera, elle resplendira. Et cette lumière, on en parle depuis la Genèse. La puissance de cette lumière, c'est la puissance du sacrifice. Quel est le sacrifice que toi tu vas faire aujourd'hui pour que la lumière de Christ puisse resplendir en toi? Dieu y tient. Et ce sacrifice, le premier que tu vas faire, c'est de commencer par lire la parole de Dieu chaque jour et à te repentir afin qu'elle puisse être chaque jour plantée dans ton cœur. Le temps présent, c'est toi. Aujourd'hui, nous allons prier pour briser le joug de l'ignorance. Nous allons prier pour briser le joug des autels, le joug de l'aveuglement et de la confusion. Je vais demander à une sœur de Clé de David de noter cela. Nous allons prier pour briser le joug de l'ignorance. Parce que l'ignorance, l'aveuglement, la confusion sont des choses que le diable utilise et souvent il est passé par... Souvent il est passé par les autels familiers pour nous aliéner. Nous allons prier aujourd'hui pour que tous les moyens, les jougs par lesquels l'ennemi est passé, au travers des autels familiers, des alliances familiales, pour nous attacher dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans la confusion. Vous savez pourquoi le Seigneur a mis à mon cœur de prier d'abord aujourd'hui pour ces jougs? C'est parce que il a dit, la lumière s'est levée. Mon frère, ma sœur, tant que tu es dans l'ignorance, tant que tu es dans l'aveuglement et la confusion, tu es dans les ténèbres. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas si tu dois laisser ces gens que tu fréquentes. Tu ne sais pas si tu dois abandonner telle attitude. Tu te dis, parfois le diable vient à ton oreille pour te dire, non, c'est rien. Ça, c'est juste, c'est ton temps, c'est ta génération. Parfois, quelqu'un, tu es en train de dire, je suis en train de faire ceci, ce n'est pas bon. Et si on m'attrape, le diable te dit, non, on ne va pas t'attraper. Tu es tellement intelligent comme tu le fais là. Il faut être le FBI pour comprendre ça. Il te place dans l'aveuglement. Tu ne vois pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on peut prier pour eux, essayer de leur parler jusqu'à demain. Aucune bouche n'a la puissance de les faire retourner de ce qu'ils font. C'est parce qu'ils ont sur leur vie un joug d'aveuglement.
Il y en a d'autres, c'est à cause de l'ignorance. Le diable les a tenus loin de Dieu pendant trop longtemps pour qu'ils ne puissent rien comprendre de leur destinée, pour qu'ils ne puissent même pas se rendre compte qu'ils sont manipulés par le diable chaque jour de leur vie, qu'ils marchent dans les voies de l'ennemi, mais ils ne peuvent pas voir. Donc, mon frère, ma sœur, tant que tu ne reviens pas à la lumière, tant que la lumière n'éclaire pas tes yeux, ton esprit et ton intelligence, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre l'amour que Dieu a pour toi. Tu ne peux même pas comprendre le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Tu ne peux pas comprendre ce nom nouveau, cet habit nouveau, ce manteau nouveau que Dieu a payé de sa vie pour mettre sur toi. Tu vas le salir chaque jour. Tu vas le déshonorer chaque jour parce que tu ne sais pas. Et le diable aime ça. Et quand il te voit salir ta personnalité, ta vie, ton honneur, quand il te voit détruire ta vie, il est content, il se met devant le trône de grâce. Est-ce que vous savez que chaque fois que nous sommes à trône de grâce, le diable aussi est devant et nous, pendant qu'on plaide lui, il accuse. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il va dire, mais toi là, c'est pas toi que j'ai rencontré hier à trône de grâce, c'est toi qui fais ça aujourd'hui, c'est toi qui fais ça ce soir. Il faut que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu comprennes quand tu fais mal, que tu dois te repentir et que une repentance qui vient de Dieu et que tu dois te battre pour aller de l'avant. Tu ne dois pas hésiter à te confesser. Tu ne dois pas hésiter à demander de l'aide pour qu'on prie avec toi, pour qu'on te donne des astuces de croyant, d'aînés dans la foi, pour que tu puisses éviter les pièges de l'ennemi. Ô éternel Dieu, aujourd'hui, viens remplir nos bouches d'autorité et de feu pour consumer les liens de l'ignorance, pour consumer les liens de l'aveuglement et de la confusion, pour consumer les liens, Seigneur, d'aveuglement, de consécration des autels familiers maléfiques. Il faut que quelque chose vienne de toi. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier seul. Il faut que toi qui te sentes concerné, que tu prennes l'engagement aujourd'hui, que tu vas prier avec nous sur la base de tout ce que tu as entendu. Est-ce que je peux avoir un amen, autant d'amen qu'il y a de personnes ici, afin que le feu qui sera dégagé aujourd'hui de cette plateforme puisse anéantir les portes d'airain et les verrous de fer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois le cœur d'une femme se relever. Je vois le cœur d'un homme se relever. Toi qui étais fatigué de toi-même, toi qui étais fatigué de ta situation, qui étais découragé, je te rappelle encore aujourd'hui que Dieu est enthousiaste de ton amen. Dieu est content de voir ton amen. Il se dit, ah, mon enfant accepte de reprendre ma main. C'est un jour nouveau. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et je proclame au nom de Jésus-Christ avec toutes mes sœurs de Clé de David. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de délivrance. Alléluia. Seigneur, nous appelons la puissance de ton esprit qui se meut maintenant. Seigneur, je vois un peuple qui traverse comme une rivière, mais je vois que l'eau n'est pas propre. C'est comme une rivière de boue. Je vois comme des personnes qui sont poursuivies par quelque chose, je ne sais pas, c'est une calamité ou quelque chose en tout cas qui les fait fuir. Et je vois ces gens traverser cette étendue qui est boueuse. Et je vois leurs chaussures, leurs habits tachés de cette boue. Mais Seigneur, je vois cette lumière sur l'autre rive. Et ces personnes, lorsqu'elles traversent, je vois qu'elles sont rendues toutes propres quand elles marchent de l'autre côté. Seigneur, je crois et je prophétise sur la base de ce que tu me montres, que c'est ce que tu fais en ce moment, dans la vie de mes frères, de mes sœurs.
Seigneur, c'est toi qui les fais maintenant sortir de cet étang boueux. C'est toi qui les fais sortir, Père, de ces ténèbres qui couvrent, Seigneur, cette gloire que tu leur as donnée en mourant à la croix pour eux. Je prophétise, Seigneur, je vois une personne qui avait des cheveux teints. Lorsqu'elle traversait cet étang boueux, elle avait des cheveux teintés. Il y avait de la teinture, comme une coupe à la mode ou une teinture faite sur la base d'une mode ou je ne sais comment. Je ne sais pas, c'est une teinture blonde. Le Seigneur me dit, dis la couleur. Une teinture blonde. Je ne sais pas si tu l'as fait avec des amis dans un état de joie ou je ne sais pas quoi. Je vois un piercing. Le Seigneur me dit, dis-le. C'est à une oreille droite. Le Seigneur me dit, dis-le. Je vois un piercing et c'est un piercing comme si quelqu'un me montre, comme si le Seigneur me montre quelque chose qui ne doit pas être fait. C'est un homme. Le Seigneur me dit, il a un piercing à l'oreille. Et ce piercing, le Seigneur dit qu'il n'est pas d'accord parce que tu ne sais pas, tu l'as fait. Mais en faisant ce piercing, tu t'es toi-même donné, tu t'es toi-même livré à la consécration des autels de ta famille. C'est par ce piercing qu'ils te reconnaissent. C'est par ce piercing qu'ils ont un accès libre et gratuit à toi. Le Seigneur dit, toi, tu ne devais pas faire ce piercing. Toi, ce n'est pas, tu ne devais pas le faire. N'importe qui pouvait le faire, mais toi, tu ne devais pas le faire. Parce que sur toi, j'ai mis une grande gloire. J'ai appelé un avenir glorieux. J'ai placé une destinée. J'ai placé une destinée. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas maudites, hein. C'est pas que c'est maudit. Mais il y a des personnes qui ne doivent pas le faire à cause de leur destinée. Mais à cause de l'ignorance, le diable les a emmenés à aimer ces choses pour les faire afin qu'ils puissent être attachés dans ces liens. Seigneur, j'appelle la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui brise les jougs. J'appelle la puissance de l'Esprit de Dieu qui brise les jougs. J'appelle la puissance du sang de Jésus qui brise les jougs. Et je brise le joug de cette consécration sur la vie de ce frère. Si seulement tu pouvais enlever cette boucle pendant que je suis en train de prophétiser sur toi. Si seulement tu pouvais l'enlever. C'est le point de contact. C'est le point de contact. Cette teinture, le Seigneur me montre que lorsque cette personne est en train de traverser cette rivière boueuse à l'autre côté, ses habits sont propres, mais le Seigneur me montre que cette teinture aussi a disparu. Et il me dit, ce n'est pas de moi. La décision de teindre ses cheveux, ce n'était pas de moi. C'était un point de contact. Il y a tellement de choses que nous faisons dans l'ignorance et nous pensons que ce n'est rien. Non, ce n'est rien. Alors que nous sommes sous la manipulation de l'ennemi. Seigneur, je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ta puissance. Je voudrais que les personnes qui voudraient qu'on prie pour elles d'une manière spéciale l'écrivent dans le chat. Que vous vous soyez reconnus dans l'exhortation, dans une motion. Écrivez simplement dans le chat, priez pour moi. Prenez le courage de le faire, de l'écrire et le Seigneur viendra répondre à votre appel. Je vais demander à ma sœur Elisabeth. De bien vouloir ouvrir son micro et de prier pendant que je vais soutenir par la prière en langue avec toutes les autres sœurs. Je vais te demander de prier pour briser le joug de l'ignorance, pour briser le joug de l'aveuglement et de la confusion sur la vie de nos frères, de nos sœurs.
tout joug soit brisé. Marie-Claude, merci de noter le nom de toutes les personnes qui demandent à ce qu'on prie nommément pour elles. Elisabeth, merci de prier aujourd'hui pour que le joug soit brisé. Je vais prier avec toi en langue. Le joug de l'ignorance, le joug de l'aveuglement, le joug de la confusion qui a gardé nos frères loin de la connaissance, de la compréhension et qui les a gardés, qui les a maintenus sous la manipulation de l'ennemi. Il doit être brisé aujourd'hui. Seigneur, nous crions à toi. Elisabeth, vas-y. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour toutes ces personnes qui crient à toi. Merci pour ces personnes, Seigneur, qui demandent le brisement du joug. Seigneur, ta parole déclare dans Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière. Oui, Père, ces jougs, Seigneur, ce sont des persécutions, ce sont des choses qui ont été faites pour induire ton peuple dans la confusion. Ce joug, Seigneur, qui est un fardeau, qui est indésirable, qui a été placé sur la vie de ton peuple, Seigneur. Ce joug qui est une arme de Satan. Ce joug qui est dans la main du diable pour contrôler la vie de tes enfants, Seigneur. Je prie en ce soir pour briser le joug de l'influence, pour briser le joug de la confusion. Tout ce que l'ennemi a inculqué dans l'esprit de ton peuple, Seigneur, je viens en ce soir briser tout ce joug, Seigneur. Toute cette marque de servitude, Seigneur, d'esclavage qui a été mis sur le corps, sur le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de tes enfants, Seigneur. Je viens le briser au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande que tout joug qui a été mis sur eux, la vie de tes enfants, Seigneur, tout joug des ennemis de la destinée de tes enfants, Seigneur, tout joug ancestral de la maison de notre Père, de tout ce que nous avons reçu de la maison ancestrale, Seigneur, ces joug sont détruits aujourd'hui par la puissance de ton sang. Seigneur, l'ennemi a utilisé ce joug, Seigneur, pour bloquer la bénédiction que tu veux faire descendre sur tes enfants, pour bloquer la destinée de tes enfants, pour bloquer les finances de tes enfants, pour bloquer le mariage de tes enfants. Père éternel, Dieu tout-puissant, ton Fils est venu et par son sang précieux, ton sang qu'il a versé pour la multitude, tout joug a été détruit. Et nous-mêmes, nous nous levons. Nous nous levons, chers frères et sœurs, pour détruire tout joug qui nous maintient en champ vers le bas. Tout joug de l'ignorance. Parce que Seigneur, tu dis dans ta parole, mon peuple périt, faute de connaissance. Seigneur, cette ignorance que l'ennemi a mis dans nos cœurs, nous venons le briser aujourd'hui.
Ce joug, Seigneur, qui nous tirait vers le bas, nous venons le briser aujourd'hui. Parce que, Seigneur, nous sommes des hommes et nous marchons avec toi. Ta parole déclare aussi dans Éphésiens 5, 14. Ô toi qui dors, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. Alléluia. Oui, Seigneur, tout ce qui était endormi, toutes les personnes, Seigneur, sur qui le joug de l'ennemi a été mis et qui les a endormis, qui les a mis dans la confusion, dans l'ignorance, Seigneur. Aujourd'hui, ta lumière s'est levée sur ces personnes, Seigneur. Ta lumière s'est levée sur tous tes enfants. Car, Seigneur, tu es lumière. Toi, Seigneur, qui es venu. Comme tu l'as dit dans ta parole, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette grande lumière, Seigneur, c'est toi, Seigneur Jésus. Et lorsque tu es venu, tout joug a été détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Car Christ a fait lever sa lumière sur nous, sur ton peuple, Seigneur, sur tes enfants. Nous étions dans les ténèbres. Nous qui étions dans le joug de l'ignorance, de la confusion. Nous qui étions entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable. Maintenant, dans la lumière parce que Christ nous a affranchis par son sang précieux. Donne-nous de nous tenir loin des pratiques ancestrales, de nous tenir loin de ce qui n'est pas de toi. Donne-nous, Seigneur, de rester dans ta parole. Donne-nous de revenir, Seigneur, dans ta parole. Et donne-nous, Seigneur, cet esprit que tu avais mis en nous. Et permets, Seigneur, que tout ce qui te déplaît, que nous nous en éloignons. Toutes les pratiques dégradantes, la soif de posséder, Seigneur, tous les péchés qui nous maintient dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Nous nous en éloignons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons, Seigneur, de nous pardonner cette idolâtrie, Seigneur. Ce qui nous a fait sortir de ta maison, ce qui nous a fait sortir de ta présence, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, car nous voulons revenir à toi. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Parce que nous savons que c'est toi qui es la lumière. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons avoir cet esprit de vie afin que la lumière luise en nous et que toutes les personnes qui nous regardent soient attirées par cette lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et je scelle ma prière dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais appeler ma sœur Marie-Claude et je vais lui demander de prier pour tous ceux qui se sont signalés dans le chat et qui ont demandé d'une manière spéciale aujourd'hui de prier pour eux, tous ceux qui se sentent concernés par l'exhortation, par l'émotion, par le temps d'aujourd'hui et qui ont écrit et qui ont demandé à ce qu'on prie pour eux. Nous avons relevé vos noms. Marie-Claude, tu vas prier pour renommément, mais je vais prier d'une manière particulière pour Sénami qui s'est reconnue dans la motion de la teinture. Alors, Marie-Claude, je vais te laisser prier et ensuite je vais prier pour Sénami. Ok. Alléluia. Merci Seigneur. Père éternel, je te bénis et je te rends toute la gloire. Seigneur, merci Seigneur d'ouvrir les yeux, Seigneur, de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont reconnues, Père éternel, dans l'exhortation.
Merci Seigneur pour cette lumière, Seigneur, que tu as fait tomber, Seigneur, en ce temps de grâce. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes, Seigneur. Père, que la puissance, Seigneur, de ta lumière, Seigneur, vienne les éclairer. Seigneur, j'appelle, Seigneur, toi le Dieu qui peut restaurer, toi le Dieu qui connaît la situation de chacune de ces personnes. Toi, le Dieu qui connaît, Seigneur, toutes les requêtes, Seigneur, de ces personnes, même s'ils ont écrit, prié pour moi. Toi qui sondes les cœurs, toi qui écoutes les cœurs, Père éternel, viens, Seigneur, les restaurer, chacune, Seigneur, dans leurs différentes, dans tous les départements de leur vie, Seigneur. Chacune, Seigneur, de ces personnes, Seigneur, qui a écrit sur ce chat, Père éternel. Père, j'appelle, Seigneur, ta grâce, Seigneur. J'appelle, Seigneur, ta restauration, Seigneur, sur leur vie, Père éternel. Seigneur, regarde leur vie. Seigneur, regarde l'effort qu'ils ont fait, Seigneur, pour se connecter à ce temps. Pendant que d'autres, Seigneur, sont dans d'autres occupations. Mais toi, Seigneur, tu as fait grâce, Seigneur. Et avec toi, il n'y a pas de hasard, Seigneur. C'est toi qui les as convoqués pour ce temps. C'est toi qui les as convoqués pour les restaurer, Seigneur. Père éternel, que le joug, Seigneur, qui pesait sur leur vie, Père éternel, soit détruite, Seigneur, par la puissance de ton feu, Seigneur, qu'il soit calciné, Père, jusqu'à la cendre, Seigneur, et que, Père éternel, ta lumière de restauration puisse luire dans leur vie, Seigneur, et que l'ennemi voit que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu, Père éternel, qui peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire, tu es le Dieu, Père éternel, qui leur a donné la vie, et Père éternel, l'ennemi n'a pas, Seigneur, le droit, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur leur vie. Et je déclare, Seigneur, que la restauration divine, Seigneur, descende sur leur vie. Chacune d'entre eux, Père éternel, c'est en ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, je voudrais prendre le temps en prononçant le nom de mes frères ici. Seigneur, je te prie, même si nous, nous avons oublié, toi, tu n'oublies pas. Je te prie, Seigneur, de regarder toi-même à tous tes enfants, à toute la confiance qu'ils ont eue, Seigneur. Seigneur, que ta lumière resplendisse sur la vie de Marie-Émilie, sur la vie de Marie-Thérèse, sur Maëva et sur sa famille, sur Sénami, sur Angèle, sur Léontine et sur Evelyne qui demandent, Seigneur, ta grâce, ta libération. Père, que les jougs soient brisés dans la vie de tes enfants. Père, brise les jougs comme nous te l'avons demandé ici, dans la vie de Essie, dans la vie d'Elisa, dans la vie d'Anne-Marie, dans la vie de Julie. Seigneur, brise comme tu as promis. Tu as promis, Seigneur, et nous savons que tes promesses sont oui et amen. Père, qu'aucun joug ne résiste dans la vie de Cathy, de Ludovic, d'Evelyne, de Juanita et de Chris. Seigneur, je te présente la vie de Anne, de ton serviteur Mario. Je te présente la vie d'Amélie, d'Aurélie, de Séraphin. Père, toi qui as la puissance de briser les jougs, je sais que tu as entendu notre prière. Je sais que tu vois notre cœur. Nous te prions, Seigneur, manifeste ta puissance, que ton bras puissant aujourd'hui, Seigneur, soit manifesté. Arrache, Seigneur, la vie de tes enfants à tout joug. Seigneur, nous te présentons Séraphin, Elisabeth, Jessica, David, Estelle, Isabelle, Christian, Marie-Thérèse, Joséphine. Et nous te présentons, Seigneur, la vie de l'ami de Berthe, qui est malade. Nous te présentons la vie de son frère. Seigneur, nous tous qui sommes ici, Seigneur, tu nous connais. Tu connais ce que nous portons dans nos cœurs parce que tu es le seul qui soit omniscient. Père, n'oublie aucun de tes enfants. N'oublie aucun nom que nous avons dit aujourd'hui. Nous allons garder cette liste et nous allons prier avec pendant toute la semaine. Nous allons prier avec vous. Donc, si nous, nous prions et que vous-même, vous ne priez pas, il y aura un déséquilibre.
Mais nous, nous vous disons que cette liste, nous allons la relever. Nous ne savons pas quels sont les besoins, quels sont les problèmes, quelles sont les situations qui sont derrière chaque nom, mais Dieu les connaît. Nous allons faire ce qu'il nous demande. Nous allons élever ces noms de ces frères et sœurs qui nous ont demandé nommément de les porter. Nous allons vous porter dans nos prières quotidiennes et hebdomadaires jusqu'au prochain trône de grâce. Et le Seigneur fera. Soyez nos partenaires dans la prière et Dieu fera. Et maintenant, Seigneur, toi qui connais chacun ici, mieux que lui-même et mieux que nous, je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il t'a plu de montrer à Sénami, je pense que c'est bien le nom, à Sénami, que tu la connais. Et que tu n'as pas besoin d'œil d'homme pour lui dire, Sénami, je te vois. Ici, nous ne sommes pas en caméra, mais toi, tu connais chacun. Seigneur, que cette vision que tu m'as montrée de purification, de sanctification, de délivrance et de restauration sur la vie de cette personne qui avait une teinte, et pendant que je voulais garder la discrétion, tu m'as dit la couleur, parce que tu voulais que ses amis sachent que ton regard est posé sur elle et que tu l'accompagnes. Alors Seigneur, ce que tu as fait dans cette vision que tu as voulu nous montrer, Père, accomplis-le puissamment dans la vie de ta fille. Purifie tout ce que l'ennemi a voulu souiller dans sa vie. Enlève, Père, toute plante que tu n'as pas plantée et que tu trouves dans sa vie et jette-le au feu. Accomplis ta promesse, Seigneur, dans sa vie. Revêt-la, Seigneur, de ce manteau pour qu'elle te connaisse et qu'elle te serve. Sénami, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth la libération au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth la restauration. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison de toutes les mauvaises décisions de vie dans lesquelles l'ennemi t'a conduit. Reçois la restauration, reçois la guérison, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps. Je vais demander à ma sœur Solange de bien vouloir prier pour la restauration et pour clôturer ce temps de prière. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ta lumière vient éclairer nos vies ce soir. Et je veux proclamer ta parole. Nous trouvons dans Ésaïe 60, versets 1 et 2, qui dit « Debout, j'ai brille avec éclat. Fais ta lumière avec la gloire du Seigneur. Lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre. Un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire est sur toi. C'est sur la base de ta parole, Seigneur, que tu mets à mon cœur et qui ne retournera pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu me l'as donné dans la vie de ton peuple. C'est avec ta parole que je veux prier pour ton peuple en déclarant sur chacune des personnes ici debout, brille avec éclat, car en effet ta lumière arrive. Je crois que tu es déjà là. Ta lumière resplendit ce soir. Ta lumière vient maintenant éclairer toutes les ténèbres de ta vie. La gloire du Seigneur se lève sur toi. La gloire du Seigneur se lève dans toutes les ténèbres de ta vie, quelle que soit l'obscurité de ces ténèbres. La parole de Dieu est vérité. Et je déclare que la gloire du Seigneur se lève sur toi, que ta lumière est déjà là et qu'elle vient maintenant
chasser toute ténèbre. Je déclare sur ta vie que les ténèbres s'enfuient et que la lumière brille déjà. Regarde, que dit le Seigneur. La nuit couvre la terre. Tu vois autour de toi plusieurs personnes qui traversent des situations difficiles. Un brouillard enveloppe les peuples. Beaucoup de personnes que tu vois autour de toi sombrent dans la dépression, dans le découragement, dans la tristesse, dans la désolation. Mais l'Éternel dit que sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire brille. Sur toi, le Seigneur se lève. Déclare sur ta vie que le Seigneur se lève et que sa gloire brille sur toi. Déclare que la lumière de l'Éternel arrive dans ta vie et elle est déjà là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi que sur toi, le Seigneur se lève. Tu peux voir tout autour de toi des gens vivre toutes sortes de situations difficiles. La nuit véritablement couvre leur vie. Le brouillard enveloppe leur vie. Mais le Seigneur dit que sur toi et déclare que sur toi, le Seigneur se lève, que sur toi, les ténèbres disparaissent. Car la lumière éternel est présent, que sur toi sa gloire brille, que sur toi sa gloire est présente, que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche, toi tu restes hors d'atteinte, car pour toi le Seigneur envoie ses anges, afin que ton pied ne porte la pierre, afin que tu ne demeures pas dans cette situation, afin que ta situation se transforme pour la gloire de Dieu, afin que la gloire de Dieu resplendisse dans ta vie. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. Sur toi, la lumière vient maintenant couvrir les ténèbres. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. Sur toi, mon bien-aimé, le bien-aimé de Dieu. Sur toi, la bien-aimée du Seigneur. Sur toi, l'homme choisi de Dieu. Sur toi, pour qui le Seigneur donne des rois, pour qui le Seigneur dit que ta vie a du prix à ses yeux, que Dieu, sur toi, sur qui l'Éternel dit qu'il t'aime et que ta vie a du prix à ses yeux. Le Seigneur dit que sa gloire se lève sur toi, que sa gloire resplendit dans ta vie. Le Seigneur vient maintenant te dire que ta vie est précieuse pour lui, que ta vie a du prix à ses yeux et qu'il t'aime et qu'il ne veut pas que tu sombres dans les ténèbres. Mais à cause de son amour pour toi, il vient maintenant lever sa lumière afin que les ténèbres disparaissent, afin que les ténèbres se dissipent, afin que les nuages ténébreux soient chassés et que lui, le soleil de justice, se lève dans sa splendeur, se lève dans sa majesté, se lève dans sa puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le soleil de justice se lève et dans ses rayons, il t'apporte la guérison. Dans ses rayons, il t'apporte la lumière. Dans ses rayons, il t'apporte la restauration. Dans ses rayons, il t'apporte la paix intérieure. Dans ses rayons, il t'apporte la grâce et la faveur. Et sa présence te fait du bien. Il dit qu'il est présent à côté de toi. Et que même si tu traverses les cornes, même si tu marches au milieu du feu, il est présent. Les flammes ne te toucheront pas. Tu ne te noieras pas. Car lui, le Seigneur, il est avec toi. Il donne pour ta libération l'Égypte. Il donne l'Égypte et Saba en échange de toi. Parce que le Seigneur tient à ta vie. Il tient à toi. Il vient maintenant chasser tout ce qui n'est pas de lui. Il vient maintenant ôter tout fardeau. Il vient maintenant briser tout joug qui est posé sur ta vie. Et il vient te donner l'assurance qu'il marche pour toi tous les jours. Il te dit de ne rien craindre parce qu'il est avec toi. Et il vient maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu aimes chacun de nous ici présents. Merci parce que tu aimes chacun de tes enfants, tous autant que nous sommes, nous et toutes les personnes pour qui nous prions. Tu nous aimes chacune par notre nom. Tu nous aimes pas dans le bureau, mais chacune dans notre personnalité, dans notre façon, chacun que nous sommes. C'est comme ça que tu nous aimes. Et tu viens pour relever, pour fortifier, pour restaurer, pour chasser les ténèbres et que ta lumière ne cesse de briller sur chacun de tes enfants. Merci Seigneur.
parce que tu es vivant. Merci. Alléluia. Merci parce que tu es véritablement celui-là. Merci Seigneur parce que ta fidélité durera toujours. Merci pour toi dans la vie de chacun de tes enfants. Merci parce que cette fidélité, ta fidélité est le bouclier protecteur de chacun de ses enfants. Merci parce que ta fidélité les Seigneur, je leur rappelle que tu les aimes et que tu es avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur parce que c'est toi qui te lèves, c'est ta gloire, c'est de toi qu'il s'agit, c'est toi et toi ce qui agit, et non une personne, non un quelconque personne, mais c'est toi Seigneur, c'est toi et toi ce qui agit, c'est toi qui t'es choisi Seigneur, tes enfants ce soir, parce que tu veux nous faire du bien. Merci parce que tu as agi, je le crois de tout mon cœur. Je sais que tu as agi, que tu es à l'œuvre et que tu continueras à agir. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu feras encore. Merci pour tous les jours qui ont été brisés. Merci Seigneur, parce que tu as chassé la lumière, l'éternel, et c'est ta lumière qui brille déjà. Merci parce que tu viens maintenant redresser ceux qui étaient courbés. Merci parce que tu viens redonner vigueur à tous ceux qui étaient fatigués. Merci parce que tu viens rétablir tous ceux qui étaient perdus, tous ceux qui étaient, tous ceux où il n'y avait plus d'espoir. Merci pour ta lumière qui se lève. Merci parce que tu ouvres les yeux afin qu'ils voient ta lumière qui brille. Merci Seigneur pour tous ceux que tu as fait ce soir dans la vie de tes enfants. Et nous, selon ces paroles, sont précieux. Nous cachons la vie de tout le monde. Nous croyons, Seigneur, véritablement, tu t'es levé dans la vie de chacun de tes enfants. Et nous, selon toutes ces bénédictions, exaucons chacune de nos déclarations dans ton sang précieux. Et nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant, car nous croyons que tu as agi. Nous voulons tout simplement te dire merci et te rendre toute la gloire. Toute la gloire, Seigneur, non pas à nous, mais à toi seul. À toi seul revient toute la gloire et nos cœurs sont dans l'action de grâce. Car nous croyons que tu es véritablement à l'œuvre, que tu as déjà agi et que tu continueras à agir. Et nous te disons merci. Reçois, Seigneur, la gloire, la louange. Reçois le merci de mon cœur. Reçois l'action de grâce de mon cœur. Merci, Seigneur, parce que chacun de tes enfants ici présent, tu les aides dans le monde. Tu fais grandir leur foi. Ils se réjouissent devant toi, Seigneur. Ils se réjouissent devant toi, Seigneur. Avant la fin, ils se réjouiront encore. Ils entreront dans l'année 2022 en criant de joie, en racontant tes exploits, en parlant de ta fidélité. Ils diront tout haut ce que tu as fait pour eux. Merci Seigneur parce que tu le fais et je scelle cela dans ton sang précieux. Et je te rends toute la gloire et je te dis merci. De tout mon cœur, je te dis merci. Et c'est en ton nom glorieux que j'ai prié. Amen. Amen, alléluia. Nous recevons. Que quelqu'un soit en train de dire, je reçois au nom de Jésus, je scelle dans le sang de Jésus, je reçois au nom de Jésus, je scelle dans le sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde jusqu'à le prochain trône de grâce. Et que le Saint-Esprit de Dieu garde vos esprits alertes et vous rappelle chaque instant, jour et nuit, les paroles qui ont été partagées ici. Que toute situation de ténèbres dans lesquelles l'ennemi voudra te plonger dans cette semaine, déclare simplement, j'appelle la puissance de la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth actuellement dans cette situation. Et tu verras cette situation disparaître comme les ténèbres disparaître quand on appelle, quand on allume la lumière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous allons faire ce combat ensemble et le Saint-Esprit est avec nous. Les situations qui voudront emmener ta vie, ton esprit, ton cœur dans les ténèbres, tu vas déclarer avec autorité, j'appelle la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth maintenant.
que Jésus-Christ, qui est la lumière de Dieu maintenant, agisse puissamment et que cette situation disparaisse, que cette situation soit anéantie, que cette situation recule, qu'elle me lâche et tu verras la lumière de Dieu éclairer, te donner une solution, te montrer un chemin, te permettre d'échapper ou de sortir. Je le crois sincèrement et je t'invite à faire cet exercice tout au long de cette semaine. Pour le plan de lecture, nous allons le mettre sur notre site et vous pourrez éventuellement le télécharger ou l'imprimer. Et nous pourrons ensemble nous préparer spirituellement, psychologiquement à le démarrer le premier. Et vous verrez que vous passerez une année différente, conduite chaque jour par la parole de Dieu. Nous allons partager quelques astuces pour comment vous permettre ce qu'on appelle la discipline spirituelle, pour vous permettre de tenir ce temps de formation, d'accord, et de combat spirituel pour rester dans la parole de Dieu. C'est très important. Ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est un combat pour que vous n'ayez pas les yeux ouverts sur qui est Dieu dans votre vie et qui vous êtes dans le plan de Dieu. Mais Dieu va nous aider et nous allons le faire. Amen. Pour certains, nous allons le refaire. Pour la plupart, donc pour les membres de Clé de David, nous l'avons déjà fait, mais nous allons avoir le plaisir de le refaire avec vous. Amen. Voilà. Et donc, le jeudi prochain, nous vous invitons à inviter vos amis, à inviter un frère, une sœur qui en a besoin. Nous allons prier pour le brisement du joug de d'autres situations précises que le Seigneur a indiquées. Donc, n'oubliez pas de vous connecter à 20h30 GMT et n'oubliez pas aussi de prier avec nous dans la semaine et d'inviter un frère, une sœur à se connecter pour pouvoir bénéficier des grâces que le Seigneur dispense gratuitement dans ce temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nelly, si tu as une annonce? Non, je n'ai pas d'annonce aujourd'hui. Hosanna, 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 Hosanna.
Comment est-ce que tu accueilles ton roi de gloire ce soir? Comment est-ce que tu accueilles ton miracle?